Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dernière vidéo de l'année. Et oui, on approche des fêtes de fin d'année, avec Noël et le jour de l'an. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite pause magie, pour me ressourcer un peu, pour me reposer au niveau de la magie. Car il faut se le dire, toute l'année, garder le rythme de 2 vidéos par semaine, 2 tours expliqués par semaine en comptant le premium et les vidéos du vendredi. Franchement, ça demande pas mal de travail. Et même si j'adore faire ça, moi je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai besoin un petit peu parfois de me reposer et de faire un petit break en même temps. Donc voilà, ça sera la dernière vidéo de 2021. Mais pas d'inquiétude, on se retrouvera dès janvier 2022 pour de nouveaux tours de magie expliqués, des nouvelles vidéos. Donc voilà, profitez de cette fin d'année pour travailler tous les tours que je vous ai expliqués, aller voir l'école de magie pour apprendre toutes les techniques, de peaufiner toutes vos techniques, pour être prêt d'attaque pour attaquer la nouvelle année avec de super tours de magie expliqués. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de magie très simple à réaliser. Un petit tour plutôt très sympa, assez convaincant je trouve. C'est pas de l'automatique, c'est pas difficile, ça allie un petit peu technique très simple avec une bonne petite présentation qui va avec. Tout est justifié, bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Comme d'hab, vous savez tout, les réseaux sociaux, l'école de magie et le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec un jeu de cartes, 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur va choisir une carte librement, vraiment celle de son choix. Pas de forçage, hein, imaginons celle-ci. Allez, je la sors nettement, hein. Vraiment, j'essaye d'être le plus honnête, pas de geste suspect. Hein. Ici, le roi de carreau. Alors regardez bien, le roi de carreau, on va le placer vraiment face en bas, dans le ruban, juste ici, voilà, comme ceci. Et le reste des cartes, on va les laisser tout simplement face en l'air, juste ici sur la table. On égalise tout doucement, alors vraiment, j'essaie de faire ça de la pointe des doigts, comme ceci, et on l'insère vraiment au milieu. Donc si on regarde, on peut nettement voir la carte dans le milieu du paquet, face en bas. Et du coup, donc, elle serait face en l'air, juste ici. Pourtant, on fait juste un petit geste magique, juste comme ceci. On prend la carte invisiblement, on la lance dans ce paquet, et si on regarde maintenant, la carte a complètement disparu. Elle n'est plus dans ce jeu. Parce que si on fait le claquement de doigts, on peut voir que maintenant, face en l'air, il y a bien, enfin face en bas, il y a bien une seule carte, face en bas. Et cette carte, c'est bien la carte choisie du spectateur qui a bien voyagé d'un paquet à l'autre. Et bien sûr, il n'y a rien à voir. Et là, c'est un vrai petit miracle. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'hab, si vous voulez apprendre à réaliser le tour, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description. C'est pas très compliqué à réaliser, vous allez voir. Sur ce, pour cette fin d'année, je tiens à vous remercier vraiment tout le monde, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir via Tuto Magie Premium. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je reçois plein de messages de pas mal d'abonnés qui me remercient car ils me disent à chaque fois que grâce à mes vidéos, ils ont un gros pris goût à la magie ou ils se sont mis à la magie. Et moi, voilà, c'est vraiment ça. Je suis pas là vraiment pour montrer les secrets des vraiment ce que je veux, c'est que vous appreniez, vous ayez envie d'apprendre et de vous mettre à la magie. Donc voilà, même si certains apprennent un ou deux tours et après ils passent à autre chose, c'est pas grave. Le but vraiment, c'est d'essayer d'apprendre et non pas juste de voir les secrets. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer à travers mes vidéos en m'appliquant à travers des tutos détaillés pour vraiment que vous compreniez toutes les techniques pour pouvoir les reproduire derrière. Le fait d'avoir créé l'école de magie avec les techniques toutes classifiées pour pouvoir retrouver si vous avez des lacunes, vous axer sur l'école, revenir, apprendre les tours. Vraiment, c'est pas un lâcher vraiment d'explications. Hein. Le but premier, c'est vraiment de vous enseigner la magie. Hein. C'est vraiment ça le mot. Ce n'est pas révéler, vraiment enseigner la magie. En tout cas, je fais au mieux pour essayer de réaliser ce projet que je fais maintenant depuis plus de 5 ans. Et je vous remercie d'être présent à chaque fois quand je publie mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dès 2022. Ciao tout le monde.